Ah, bonjour tout le monde. Donc là, je vais vous présenter l'afterpatch pour être invisible sur le online avec armes et véhicules. Et en même temps, vous verrez les joueurs sur la map. Donc c'est un OTR encore plus puissant que l'OTR que nous avait fait Tuto Facile France. Donc la manipulation, c'est la même. Vous pouvez voir la vidéo dans la description originale. Donc il y a plusieurs méthodes avec l'alcool ou avec le braquage. Donc là, je vais vous la faire avec le braquage. Parce qu'en même temps, ça me donne accès au véhicule direct. Donc, il vous faudra une oppressor. Ou une moto. Avec une moto, ça fonctionne. Il vous faudra le camion mobile. Le bunker. Donc, il faudra que ça se fasse dans le bunker. Comme moi. D'accord? Respectez bien les étapes et vous réussirez. Donc là, je vais rentrer dans mon bunker. Et je vais aller préparer une activité récente. Donc, vous savez, vous allez sur profil. Vous allez sur l'activité récente et vous faites PS pour venir dans le jeu. Donc vous la laissez en mémoire. Et quand vous cliquerez deux fois rapidement sur PS, vous allez tomber sur cette activité rapidement. Donc c'est ça le but. Il faudra le faire comme ça parce que sinon vous buggerez différemment. Vous allez galérer pour rien. Donc une fois dans le bunker, je fais PS. Voyez, je vais dans profil. Activité récente. Donc il faut une activité récente qui vous amène dans GTA Online. D'accord? Peu importe celle que vous voulez. Donc là je clique sur elle. Et là je fais PS et X. PS, je reviens dans le jeu. Faites pas retour. Voilà, PS, X. Bon, ça c'est fait. Ça veut dire que je ferai deux fois PS et je tomberai de suite sur ça. Donc l'after patch il est là. Donc il faudra pas trop se serrer parce que sinon le rond bleu va disparaître. D'accord? Donc là, pas trop se serrer, se mettre bien comme moi sur la droite. Donc vous pouvez faire des tests, après vous réussirez à tous les coups. Là, j'ouvre mon menu. Je vais faire rond, triangle. Il va falloir se voir en train de monter sur la moto juste avant l'écran noir. Voilà, vous voyez là, on se voit. C'est ok, j'ai réussi. Donc là, je fais deux fois PS et je clique GTA Online. Et ce message-là, je le refuse. Donc je fais non. Et là, je suis bugué. Donc là, je suis opérationnel. D'accord? Maintenant, je sors mon téléphone. Je lance le braquage. C'est le moyen de sortir du camion et de rester sur sa carte où il y a les joueurs. Donc, il y a une autre solution. C'est de boire des bières au lieu de lancer l'activité de Lester. Donc là, je fais rond, je sors du braquage, vous voyez, je suis invisible. Donc j'ai accès à mes armes, j'ai accès au véhicule personnel, j'ai accès au véhicule de PNJ, et surtout, le must, c'est que je vois les joueurs sur la carte. Donc je peux rejoindre des joueurs qui ne me verront pas. C'est le top. Donc les gars, abonnez-vous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, hein. Merci aux 2000 abonnés encore une fois. Là, vous voyez, je suis invisible, j'ai les armes. Hop, je vais aller chercher un véhicule personnel. N'hésitez pas à partager un peu partout la vidéo, de montrer Fouedji un peu à vos collègues. Ça fait plaisir, plus on est de fous, plus on rit. Donc, n'en abusez pas. Tuez pas 20 fois un joueur, il va vous signaler, vous tuez quelques joueurs, vous faites votre ratio, vous tapez des délires. Il est excellent ce petit glitch. Là, je vais aller tuer quelques joueurs pour montrer qu'ils sont pas très réactifs vu qu'on est invisible. Ça rend fou. Donc les gars, je vous ai fait les vidéos du braquage en mode illimité. Allez les voir, partagez ça à vos collègues, comme ça vous faites tous la même méthode. Et vous verrez que vous ne perdez pas votre braquage. Si vous éteignez correctement, comme je vous explique dans les vidéos, vous pouvez gagner en mode élite 1 500 000 en 15 minutes. Donc faites-le, vous pouvez vous acheter le camion de suite. Ne me dites pas, on n'a pas les moyens. On ne peut pas acheter le camion, les gars. Si vous suivez cette page,
de YouTube de Fouedji. Vous êtes riche. C'est obligé avec tous les glitches que je vous ai fait, vous ai expliqué, je vous ai aidé. Dans les messages, les collègues ils soutiennent, ils vous aident. Donc on répond le maximum qu'on peut à vos messages, à vos questions. Donc voilà les gars, soyez actifs, aidez les autres et nous on vous aide. Voilà. Tous ceux qu'on a aidés, j'espère qu'ils sont là, ils nous aident. Ils aident les nouveaux. Bon, il y a plein de collègues qui me trouvent les after patch. Donc ah ouais, grosse dédicace à Kevin. C'est Kevin qui m'a donné l'astuce. Et je fais une grosse dédicace à lui. Je mets sa chaîne dans la description. Si vous voulez soutenir, les gars, ben, c'est le moment. Kevin Lasso. Donc bon, c'est pas un youtubeur spécial qui met des vidéos. Mais ça peut lui faire plaisir d'avoir quelques abonnés. Et, voilà, on le soutient, il nous a aidés. Gros big up à lui, le poteau. Voilà, les gars, c'est un abonné qui est venu. Il m'a dit, voilà, moi je fais comme ça. Ça marche nickel. Donc, présente le poteau. Grosse dédicace à José, dédicace à Erreur, à David, à Kaglitcher. Ah, les monstres. Dédicace à Tuto Facile France. Ouais. À ZRZ. Aussi, ZRZ Glitcher. Un mec super.